Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte. Salut Jack Gyllenhaal. Pour le gameplay découverte de Battlefield 2042 sur PlayStation 5. Disponible en Early Beta Access depuis le 6 octobre, jouable jusqu'au 9 de ce mois-ci. A savoir que la bêta deviendra publique à partir du 8. On va donc se lancer sur une game complète. Les games étant un peu longues, environ 40 minutes, je pense que je vais faire du sending. De toute façon, je le verrai en direct. Le menu, vous le voyez, c'est la grosse nouveauté. Choisissez votre opérateur, choisissez votre paquetage, votre arme principale, secondaire, ainsi que vos accessoires et consommables. Et c'est parti. Bon, là au moins, j'ai eu de la chance, je peux de suite prendre le tank. Je vais essayer un petit peu de tout vous montrer, du gameplay autant véhicule, mais là c'est la première fois que je prends le tank. Du gameplay après avec plusieurs armes si je le peux. Et puis de toute façon, on va partir après sur divers respawns pour montrer les différents endroits de la map, à savoir qu'il n'y en a qu'une seule disponible pour l'instant dans cet Early Access, qui est celle-ci, celle que je parcours actuellement. On attendait grandement ce Battlefield 2042. Call of Duty n'arrête pas de racler le fond du pot de yaourt, si je puis dire. On commence à avoir des Call of qui ne font que se ressembler depuis un certain temps, et la communauté l'a bien fait comprendre. La communauté vidéoludique a envie de changement au niveau des FPS. Et qui de mieux que le fidèle rival de Call of Duty, Battlefield, pour essayer de sortir les joueurs de cette éternelle situation redondante. Ce nouveau Battlefield apporte son lot de nouveautés, notamment le fait de pouvoir changer son arme en direct. Pas besoin de revenir au spawn, pas besoin de revenir au lobby pour pouvoir changer les accessoires de votre arme. Tout se fait in-game, pendant votre partie, pendant que vous parcourez d'un point A à un point B. Tu vas bouger, oui? Parfait. Voilà, vous pouvez donc tout modifier, à vous de mettre un viseur à cog pour avoir une visée plus lointaine ou un viseur réflexe pointeur rouge pour du combat en close. Vous pouvez modifier le chargeur, le canon, ainsi que la motricité de votre arme. Ce qui peut se faire grâce à l'ajout d'une poignée ou même d'une poignée réflexe. Bon, je vois sur la minimap. Ouais, il y a du monde. Touché. Couler. Ah, là-bas. Je vais juste mieux ajuster le canon. Oh là 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 là, le one shot, parfait. J'apprends, hein, j'apprends le gameplay du tank. Hein. C'est la première fois, comme j'ai dit, que je montais dedans, donc il faut un petit temps d'adaptation. Mais là, je suis bien placé, là, en vrai. Hein. Bon. On va voir ce qui se passe de plus près. Toujours rien à l'horizon. J'ai parcouru toute la map, quoi. Bon là c'est quasiment impossible de l'avoir, hein, mais bon on tente, hein, le moonshot. Hein. Je vise trop haut. Ah là là, pour moi le missile il part en cloche au bout d'un moment, mais j'ai pas encore l'habitude quoi. Bon, ouais, on va aller le chercher. Tu crois pas? Non, mais je t'ai vu, je crois pas. Pas l'avoir quoi. Voilà. Non mais attends, et en plus il me faisait des dégâts sur le tank, quelle horreur quoi. Bon, nous arrivons dans un lieu où est-ce qu'il devrait y avoir quand même des adversaires. De toute façon, quand on est proche de toute façon des points à prendre, qu'ils soient pour nous ou pour les adversaires, il y aura toujours dans un battlefield une escouade, un duo ou même un mec solo qui va tenter de vouloir clutcher à prendre un point à lui seul ou en petit groupe. C'est on n'est jamais seul dans un BF. J'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un qui était monté avec moi. Vous le voyez en bas à gauche à côté de la minimap. On a les pseudos affichés. Arrêtez de me flinguer quoi. On va aller le chercher celui-là. Donc pour info j'ai le Vector pour ceux qui se demandent. L'arme que j'ai pris.
Normalement, quand on joue médic, le jeu nous conseille de jouer des SMG. Après, bon, je préfère aussi. Enfin, j'aime bien aussi les fusils d'assaut, hein, mais c'est vrai que le Vector, je suis surpris par la capacité monstrueuse de démolition qu'il a, quoi. Il fait mal. Ça aussi, méfiez-vous, parce qu'il suffit même d'un fumigène pour que le jeu vous cache les pseudos de vos mates. Donc il se pourrait que ce soit en fait un adversaire que vous avez à côté. Si vous ne visez pas, que vous ne l'avez clairement pas dans votre champ de vision, le jeu ne vous mettra pas le pseudo au-dessus de la tête, même s'il s'agit d'un allié. Ce qui fait que vous visez un petit peu sur le côté. Il suffit que vous soyez dans un fight, ben là vous perdez de précieuses secondes pour vous réaxer sur l'ennemi en question, qui lui prendra l'ascendant. Ça a pas pris? Mais sans déconner. Faut attendre que l'animation se termine. Ça, c'est une horreur. Avant, on pouvait, enfin, en fonction du temps qu'on restait, y récupérer plus ou moins de vie. Mais là, il faut vraiment que toute l'animation se fasse. C'est horrible. Bon, après, c'est pas plus mal. Ça ajoute peut-être aussi une touche de réalisme, mais... Enfin, vous allez me dire. À quelle heure tu sors un défibrillateur en plein champ de combat pour... mettre un coup de jus à un de tes collègues. Donc vous le voyez au milieu de l'écran, barre bleue, barre rouge, ça veut dire qu'il y a un bleu turquoise. Ça veut dire qu'il y a un ennemi dans les parages. Un ou plusieurs de toute façon. Hein. Mais le point n'est pas capturé tant que la totalité des adversaires ne sont pas éliminés. Et en parlant d'élimination... Où est-ce qu'ils sont? Où êtes-vous, les amis? Mon Vector a soif. Mais j'ai l'impression d'entendre des pas... Je sais pas vraiment où ils sont. Quand même, ce serait con que je me fasse buter. Dès la première rencontre. Oh là 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 là, la doublette. Vite, vite. Alors que le joueur français s'efforce, à lui seul, de repousser l'avalanche d'ennemis qui n'arrive toujours qu'en surnombre. Bientôt plus de balles. Faut vraiment inspecter tous les coins et recoins. Mais où est-ce que vous êtes? Sans déconner. Faut que je me manifeste plus souvent. Faut que je demande, je tombe dessus, vous avez vu. Où êtes-vous? Ça marche! Tant qu'avec le gun, ça risque d'être compliqué. Oh, la visée du gun, elle est horrible! Mais sans déconner! Quand même! Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là! Parfait, il avait la même arme que moi en plus. Voilà. Oh, sans déconner. Je vais l'arrêter des fesses tellement serrées que j'ai marqué le cuir de mon canapé, quoi. Ça va, et je le tiens bien le point quand même, mine de rien. J'ai des balles dans le Vector. Arrivez, je vous attends. En fait,
toujours moins le malin quand on a que notre arme secondaire. Mais bon, une fois que l'arme de prédilection est dans nos doigts. Généralement, on se laisse pousser des ailes. Allez, vous. Ah, quelle horreur. C'est bon, à la grenade. Ah, j'en ai eu qu'un sur deux. Putain, j'ai été con, j'ai trop attendu avec la grenade. J'ai bien trop attendu. Enfin, remarque, non. Elle s'est lâchée. Enfin, elle devait péter à ce moment. J'aurais peut-être pas fait le kill si j'avais plus attendu. Allez, on va aller ailleurs un peu quand même. Le but est quand même de voir autre chose. Vous l'avez vu, hein? Il est tout en haut. On va aller le chercher. Il meurt vachement vite avec un SMG quand même. Ça, c'est incroyable. En close combat, celui qui perd un duel avec un SMG, c'est que... Il y a vraiment un problème. Enfin, je dis un SMG face à un fusil d'assaut, par exemple. S'il se retrouve face à un Demolition Man avec un fusil à pompe. Ça risque d'être... plus compliqué. Je suis pas encore tombé sur un mec au fusil à pompe. Et Dieu sait pourtant que c'est ma hantise sur Battlefield. Les aficionados du genre le savent. Un pompe sur BF, sans déconner. Je préfère affronter un tank. Mieux avec la tyrolienne en fait. Je perds trop de temps à monter. Personne. Allez. Une grenade qui sert à rien. On sait jamais, hein. On peut avoir une petite surprise. Ils sont un peu loin. Ah, les chiens! Oh, mais j'avais zappé! C'est vrai qu'on peut appeler des petits amis à quatre pattes pour nous aider. Vous allez voir ça. Ah, maintenant j'ai un petit support. Mais après ils sont pas très très puissants, ils visent très mal, c'est... Moi qui m'attendais à un truc complètement pété quand j'ai vu le trailer, franchement ça pue. Bon, j'ai pas la hauteur. Et dans BF, la hauteur, c'est décisif. On va faire ce que je sais faire de mieux, turn. Il ne faudrait plus que je me fasse péter. Il y a des clippings parfois, il y a des bandes noires. C'est pas un bug d'image, hein. C'est vraiment la bêta. Parfois il y a des flashs blancs, des traits noirs. Comme s'il était mal optimisé sur PS5. Pourtant il est beau, hein. Fait des kills de loin, c'est tellement satisfaisant avec un vector. Mais c'est fou, c'est une série là, ce qui se passe. Bon. Va falloir que je pense quand je meurs à, au lieu d'avoir la caisse de soins, vu que je peux me healer avec mon Steam Boost, je vais me mettre la caisse de munitions à la place du pack de soins. Non, j'avais pu récupérer des munes, on va garder le vector. Je changerai d'arme après. Bon, 20 balles, va falloir jouer l'écho X rouge. Comment ça pue? Ça me gave là, qu'ils sortent. Qui
ils sortent la première arme alors que j'avais le pistolet au moment où je sors mon Steam. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est un ennemi ou pas? Non, c'est un allié. Putain, dans le feu de l'action, on voit pas son pseudo au-dessus de la tête. Franchement, c'est ça, ça me... C'est stressant, c'est ultra anxiogène, ce genre de situation. Bien entendu. Faut aussi que je regarde un peu dans mon dos. Y'a quelqu'un qui peut me heal, là, ici? Ouais. Ah, y'a son père, quoi. Ah, y'a quand même du beau combat, hein, sur cette ligne. Oh, oh le spawn de merde! Ah ouais, j'apparais devant 4 gars quoi, c'est quoi c'te... J'ai l'impression que je me suis fait légèrement couiller là, sur le coup. Ça sert à rien que je réclame le revive, parce que là, au beau milieu des balles, je suis dans le no man's land là. Allez, hop. On va prendre la AK. On va faire un petit peu du distance. C'est ce qui me manque quand j'ai le vector, faire du fight à distance. Je réapparais en plus au même endroit, quelle horreur! Je sais pas ce qu'il faisait lui. Et ouais! Je reste un médic moi quand même, c'est pas grave. Ah, j'ai oublié la caisse! Je suis un abruti. Bien entendu aussi, l'une des autres nouveautés, c'était les dégâts de décor. Vous avez des tempêtes qui vont se lever. Là, il y a ces bonbons qui sont en train de péter, donc je suis en train de freeze quand je suis trop près, là. Je me fais bouffer par le froid. Donc oui. Grosse chaleur, hypothermie. Mais tu vas aller prendre tes balles, toi ? Fusil d'assaut à distance, je peux pas perdre là, enfin, quoique... C'est ouf, le frost ça joue énormément sur la visée, c'est... Je mets tout à côté, c'est incroyable! Oh, cette aim de merde, faut que je me casse. Lâchez-moi! Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je le trouve vraiment sympa, ultra satisfaisant. Beaucoup mieux que BF1. BF5, je peux pas comparer, on était époque guerre mondiale, là on est plutôt guerre moderne. Mais quand je dis beaucoup mieux que BF1, c'est juste parce que BF1, je le trouve... Je crois que c'est la licence la plus... C'est l'épisode le plus à chier de toute la saga BF. Selon moi, ce n'est que mon avis, une fois de plus. Mais... franchement, BF1, on pouvait pas faire pire. Quelle horreur. Aller chercher des munes quoi, je suis obligé de faire le raccro au sol. Regardez à quoi je suis réduit. Ben merci l'ami. J'ai failli encore me faire péta dans le dos. Je sais même pas combien de fois je suis mort. Le respawn surprise, la mort à l'autre bout de la map là. Peut-être 3 fois, je sais plus. De toute façon, généralement, quand vous allez choisir un point dans ce BF, ne vous attendez pas à partir d'un point à un autre. Vous allez surtout rester jusqu'à que vous mouriez et que vous voulez aller ailleurs. Parce que bon, il y a quand même 128 joueurs, donc dites-vous que vous aurez forcément toujours des collègues ailleurs. Ça me gave, hein. 2 grenades jetées, juste un hit. J'ai pas perdu ma maîtrise du jet de grenade, mais bon, elle aurait dû péter. Ah là là là. 11 balles. S'il avait pété un petit peu plus à retardement, peut-être que j'aurais fait le frag. Ah là 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 là, je suis à sec. Ah.
Ah là 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 là. Ouais, non, faut vraiment que quand on garde le flingue, si on passe sur un accessoire, rendez-nous le flingue, mettez pas mon arme principale. Surtout qu'elle a plus de balles. Dans quel jeu tu reprends une arme dans tes doigts qui n'a plus de balles, qui n'est plus utilisable? C'est complètement débile. Voilà, la caisse de munitions, on aura plus ce problème. Et on repart sur un petit carnage au Vector. Parce que les balles, c'est ça qui me manquait. Mais écoute, hein, lui il avait pas payé le péage. Oh là là, je l'ai pas payé non plus. Oh la bastos plein menton que je viens de manger. Ça one shot les snipers? Je sais pas du tout. Je n'aime pas jouer les snipers dans aucun jeu, j'aime ça. Déjà je suis pas bon. Je suis une vraie quiche au sniper. Mais bon. Pour le folklore, quand il restera peu de kills à faire, selon les tickets restants vers la fin du gameplay, j'essaierai de jouer au sniper. Je dis bien j'essaierai, attention. Pff, quel... J'ai même pas envie, quoi. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est l'heure de prendre le point, on va essayer. Oh, la doublette. La même percée que tout à l'heure, X-Rouge. Allez. Cette arme du démon quand même. Oh, qu'est-ce que je me sens serein avec, je me sens vraiment en sécurité avec. Oh là 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 là. Cette série. Non, franchement, en close combat, avoir une SMG, c'est clairement abusé. Oh là là, ce kiff de reprendre des balles, mon dieu. C'est génial. Bon, mais on est en train de reprendre le point, vous le voyez. Je ne sais pas où arrive le véhicule, je ne sais pas si vous l'avez entendu, le moteur. Faire péter ça, histoire que ça n'aille pas dans les mains des adversaires. Ah, mais c'est un tank? C'est peut-être un tank. Ou une DCA. Ou alors c'est ma grenade qui a fait péter petit à petit le... Je sais pas trop. Bon allez, on va voir ce qui va se passer, je prends le point, et je pense que je vais faire une petite fondue enchaînée, un petit sending de vidéo. Bon, le point a été capturé, wow, la maniabilité des 4x4, c'est vraiment pas ça. On va l'utiliser comme leurre. Wow, moi, je pensais pas que le leurre qui démonte les arbres. Ah, je crois qu'on m'a vu. Ah, ils m'ont vu. Parfait. Ah, ça peut être sympa quand même en fait d'utiliser véhicule et tu le mets point mort, il continue de rouler et. Il pourrait écraser des types pour toi. Un peu comme sur H1Z1, c'était assez drôle ça. Bon là, toi ça, je pense que personne va venir m'aider ici. Je me suis aventuré tout seul, en terrain inconnu. Ah, j'aime pas apparaître en plein milieu là, à la vue de tous, de ceux qui sont dans les collines. Quelle horreur. Oh, vous deux. Même. Trois chargeurs quoi. Mais c'est plus un problème parce qu'elle est pack de mun.
reste vraiment personne dans les parages là? Ah, j'y arrive pas. Non, cette arme, de toute façon, pour la distance, faut pas. Allez, on refait ce qu'on sait faire de mieux. Vous l'avez suivi. Les mecs, ils me passent à côté, quoi. Si vous avez bien suivi, on va essayer de réeffectuer un turn. Mais là, il faut le faire overground. Donc aller encore plus loin que ce qu'il peut penser. Limite, lui arriver dans le dos. Sans qu'il puisse nous suivre du regard. Faire un gros détour. Et se délecter de la future satisfaction que l'on aura à l'avoir péta. Le mec s'est quand même mis allongé pour avoir la stabilité et m'en mettre une, quoi. Comme je suis pas sur PC, je me demande si en fonction de la résolution et de la qualité graphique que l'on aura avec ce jeu, est-ce que de loin, les arbres, les fougères, tout ça, est-ce que c'est vraiment bien affiché? Est-ce qu'on peut s'y cacher dedans? Ou est-ce qu'il faut vraiment être derrière quelque chose d'opaque, comme un mur qui peut être modélisé? Peu importe la distance où on se trouve. Parce que là sur console j'ai l'impression que dans les feuillages on est relativement à couvert. Non, mais ils sont clairement là-bas, hein. Ça. Juste pas se faire écraser par... C'est pas eux qui m'étaient passés à côté sans rien dire là? Il reste un dedans, non? Ouais. On a vu ses pieds. Et on aura vu que ça. Ah, ils sont dans mon dos. Ouais, non, pas bonne idée. Allez. Une grenade qui sert à rien. Et on effectue le turn. C'est QFD, hein. Quand on peut pas, faut faire un turn. On va céder, là, de toute cette architecture industrielle pour nous couvrir. Et se rapprocher de la proie. Oh, ils sont déjà morts. Bon, bah, c'est qu'ils font du bon taf dans mon équipe, tant mieux. Non. Il a l'air de plus y avoir personne. Aïe. C'est lui qui m'avait touché? Il a eu le temps de me faire un turn? Oh, remarque. Ça se fait de façon assez rapide normalement, donc je suis pas étonné. C'est ma faute, j'aurais dû regarder mes arrières. Non, lui il est pas avec moi, lui. De toute façon, il est mort. Qu'il soit avec ou sans, j'allais patienter encore plus. On va changer d'endroit un peu. Personne devant ? J'ai l'impression pourtant qu'il y avait du monde. Se mettre un petit peu de cover en refermant les portes.
Donc là, quand on s'approche, elle s'ouvre, mais si on s'en éloigne, elle se ferme. Mais là, je suis pas dans mon élément, là. Ils sont très très loin, là, si je reviens vers la fusée. Non mais, sans déconner, je l'ai pas, lui. Oh là 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 là. Oh, le mec avait clairement le temps de me buter, en fait, sur mon side droit. Allez, j'en fais une affaire perso. Toi, je vais te retrouver, je vais te flinguer. Alors, où est-ce que t'es ? C'était par là, de toute façon, qu'on s'était affronté. Et... une échelle, oui. Coucou. Je sais pas si c'était lui, mais bon. Je vais le prendre pour argent comptant. Il y a personne en fait là. Je suis allé dans un lieu où est-ce que c'est. Oh, ça fait zéro dégâts. Ouh. Il y a pas non plus qui me shoot. Hein. En fait, je suis dans un lieu où est-ce que c'est... Il y a plus d'action dans le Gers, ma parole. On va aller s'y donner un petit peu. Hein. On va voir si, à l'autre point, est-ce qu'il y a du monde. Je crois que c'est la première fois que je passe par les souterrains, là. Dans cette partie. Vous en avez raté une précédemment, j'ai dû enchaîner, je crois, 10 kills, ne serait-ce qu'avec 2 grenades. Il y avait un amas de monde dans ce tunnel. Ah. C'est fou, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à regarder autour d'eux. Parce que lui, il était rivé sur le teco depuis tout à l'heure. Pourtant, il y avait un mate en plus qui le visait. Je sais pas depuis combien de temps il était là, mais... On va faire des 3-6 parfois. Check un petit peu autour de soi avant de continuer. Oh! Putain, ben ça, oh, alors là, mais le karma vient de me chier dessus comme jamais. Moi qui dis qu'il faudrait faire les 3-6 pour vérifier derrière soi, je me fais péta par un médic. Génial quoi. C'est à ce moment-là que je ferais mieux de fermer ma gueule. Oh, mais on a plus du tout de tickets. Merde. Bon, ben on va... chose promise, on va tester le snipe. Oh, ça va être horrible. Je vous promets du gameplay... horrible. Quel dommage, je pensais m'être bien défendu dans ce game. Je pensais qu'on gagnait. Ah, je pensais l'avoir à travers le bush. Oh! Toi! Je sais pas si... Oh bon, en plus la game est finie. Je sais même pas s'il faut tirer avant, parce que la balle t'arrive dessus. Est-ce qu'il faut tirer plein axe? Je sais pas du tout. Donc vous voyez, faut vraiment que je me résigne à faire que ce que je sais faire. Les armes de rusher et les snipes, on le laisse aux professionnels trickshotters. Enfin voilà, j'espère donc que ce gameplay découverte de la bêta en Early Access de Battlefield 2042 vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !